Chers collègues, merci pour l'organisation de ce débat. Oui, effectivement, il y a urgence à agir et il y a urgence à mettre en place un Green New Deal. Un Green New Deal, ce n'est pas la finance verte. C'est illusoire de penser que ce qui nous a conduit en 2008 droit dans le mur va aujourd'hui nous sauver de quoi que ce soit et encore plus du dérèglement climatique. Un Green New Deal, c'est un projet de société qui, à travers un plan d'investissement massif dans la rénovation thermique des bâtiments, dans les low-tech, pas dans les high-tech, dans les infrastructures végétales, dans les renouvelables, peut nous permettre à la fois de nous sauver du dérèglement climatique, de créer 10 millions d'emplois, d'éradiquer la pauvreté environnementale, de créer enfin une politique industrielle européenne. Alors oui, ça va être difficile, parce qu'il faut tout anticiper niveau emploi, parce qu'on a tous baigné dans la consommation de masse. Mais le vrai risque est de ne pas être assez ambitieux à ce stade. Pour les 50 à 100 millions de précaires énergétiques dans ce continent, pour ceux qui sont déjà en train de perdre aujourd'hui leur emploi, pour les réfugiés climatiques, soyons à la hauteur, soyons ambitieux au sein de ce Parlement. Merci.